Salut. Give it to me. Give it to me. Yo les amis, donc là on va jouer ensemble dans une petite partie de voiture RS. Et en même temps on peut parler. Bon, on va choisir la voiture en rose, ma couleur préférée. Non. C'est le blanc, non le jaune. Vous savez les gens, moi niveau couleur, laisse tomber. Surtout quand je m'habille les gens, des fois je mets 20 couleurs sur moi. Et la course va être très serrée, j'espère que je vais faire un petit score quand même sympa. Vas-y, go 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 go. Je suis deuxième là. Je pense même pas que je vais pouvoir les rattraper. C'est mort pour moi. Oh, on m'a donné deux choix, j'étais perdu. Vous savez quoi les gens, les voitures comme ça, j'ai toujours rêvé d'en avoir, les voitures RS. Et en vrai, j'en ai jamais eu. Si, je pense que j'ai eu des petites voitures télécommandées, mais pas RS comme ça. RC, je sais pas pourquoi je dis RS depuis tout à l'heure. C'est RC, bah corrigez-moi les amis si je me trompe ou un petit truc comme ça, n'hésitez pas à me corriger. Et bon, en gros, les voitures comme ça, j'ai toujours rêvé. C'était ça, les drones et les bateaux télécommandés. Mais quand j'étais petit, c'était beaucoup ça. Et les, ça, je pense que j'en ai déjà eu, mais pas des RC, mais des normales quoi. Avec une petite antenne télécommande, des petits jouets Made in China qui durent une semaine, bien sûr. Et aussi, après, j'ai eu quoi? Mon premier truc volant, c'était un hélicoptère. Un petit hélicoptère en plastique, mais qui vole, hein. Et en gros, ce hélicoptère, il a duré quoi, 3 jours, parce que je l'ai acheté. En fait, je vous explique. En gros, c'était l'anniversaire de ma sœur. Et je devais lui acheter un cadeau. Et moi, je suis quelqu'un, quand j'étais petit, j'achetais des cadeaux à ma sœur, mais c'était des cadeaux de garçon, pour que ce soit moi qui les utilise après. En gros, pour ma sœur, j'ai acheté une voiture télécommandée parce que je sais qu'elle va pas l'utiliser, qu'après, je vais la garder pour moi. Et au moins, ça fait que j'ai acheté un cadeau pour ma sœur. Et au moins le geste il est là. Et après je l'ai gardé pour moi. Et du coup comme je vous ai dit, cet hélicoptère il a duré en gros il a duré quoi, 2 jours. Et le premier jour je l'attrape contre le mur, le deuxième jour contre le mur, le troisième contre le mur. Et autre chose, et après il est mort. Et un truc que j'adorais faire beaucoup les amis. Aïe, j'adorais faire les amis. Vous savez c'est quoi? C'est démonter les trucs. Mon père il avait un truc avec plein de tournevis et tout, plein de... une boîte à outils quoi. Et j'adorais, c'était mon kiff hein, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. En vrai, fallait que j'ouvre la chaîne comme What is Inside. C'est une petite chaîne YouTube où elle vous montre ce qu'il y a à l'intérieur du truc. Et moi, quand j'étais petit, j'adorais faire ça. Ouvrir les trucs, ouvrir les boîtes. Et savoir ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Enfin des boîtes, à l'intérieur des jouets. J'adorais démonter les jouets, c'était mon kiff, tout. Jouer, à l'ancien c'était les Walkman, Walkman, les appareils photo, en vrai tout ce qui est électronique. J'adorais démonter les trucs électroniques. Et bon, après avec l'âge on grandit, on arrête de faire ça. Maintenant on démonte pas, mais on monte nos PC. Aïe, wow, qu'est-ce que je vais faire là? Et aussi les amis, un petit truc qui s'est passé. Ouais, je voulais vous raconter un truc. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit bateau télécommandé. Aïe. Ça c'était mon kiff, ça, un petit bateau télécommandé. Mais bon, je l'ai pas eu. Et c'est pas grave, je l'aurai maintenant parce que je suis grand et je vais me l'acheter grâce à la YouTube Money. Que j'en ai pas encore. Bon les gens, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu ou à partager avec vos amis. Ça me ferait énormément plaisir que vous partagez mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et ciao.